This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice. And be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière du soir où nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de notre Seigneur. Nous sommes invités à nous mettre dans sa présence, bien sûr à l'écouter, à le louer et à rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. Et ce soir, essayons de porter notre regard sur ce temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. De ne pas trop rester dans le passé, mais que nous puissions vivre l'aujourd'hui pour façonner notre futur. Nous débutons ce temps de prière à la page 48. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, confessons nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous récitons l'hymne à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté. Dans tous les temps,
par des voies sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 118. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendant d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ses nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Qui peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les repoussais. Leur cercle se renfermait autour de moi. Grâce au Seigneur, je les repoussais. Ils m'ont assaillé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. Grâce au Seigneur, je les repoussais. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est haut levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne me l'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte que mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu, tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas, et maintenant la pierre principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ah Seigneur, viens à mon aide. Ah Seigneur, donne-moi la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur, de l'intérieur de son temple. Nous, nous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairé de sa lumière, formé le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Lecture du livre de Daniel au chapitre 3, les versets 1 à 18. Le roi Nabuchodonosor fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, et il ordonna qu'on la dressait sur la plaine des Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoya des messagers convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les autres fonctionnaires des provinces. Ils devaient venir pour l'inauguration de la statue que le roi avait fait dresser. Tous ces hauts fonctionnaires se rassemblèrent donc et prirent place devant la statue pour la cérémonie d'inauguration. Le maître de cérémonie cria d'une voix forte, « Gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue,
écoutez l'ordre que voici. Dieu que vous entendez jouer de la trompette, de la flûte, de la sitar, de la sambu, du saltérion, de la cornuse et de tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement de la fournaise où brûle un feu intense. Alors donc, dès que les gens de tout peuple, nation et langue entendirent jouer de la trompette, de la flûte, de la sitar, de la sambuc, de saltérion et de tous les genres d'instruments de musique, ils s'inclinèrent jusqu'à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait dresser. Aussitôt, après, quelques Babyloniens vinrent accuser les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabucodonosor et lui dirent « Longue vie au roi. Sa Majesté le roi lui-même a donné l'ordre suivant. Tout homme devra s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or, dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la sitar, de la sambuc, du saltérion, de la cornuse et de tous les genres d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, on le jettera dans la fournaise où brûle un feu intense. Eh bien, Majesté, les Juifs Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Très en colère, Nabucodonosor ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser ? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la sitar, de la sambuc, du saltérion, de la cornuse et de tous les genres d'instruments de musique. Êtes-vous prêt maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel dieu pourrait alors vous arracher de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. « Majesté, nous ne voulons pas essayer de vous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Ici termine la leçon. Lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune des actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu.
sois-le fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens à Sadre même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire porteront aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qui sont à moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Église dit. Excuse-moi, ce que l'Esprit dit à l'Église. Il écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi, David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi. Je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une couronne dans le temple de mon Dieu, et il m'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. Ici termine la leçon. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ce jour que le Seigneur a fait, c'est aujourd'hui. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Eh bien, ce soir, je vais faire une petite réflexion sur ce psaume 118 qui nous invite à la louange. Louer le Seigneur pour ces moments importants de notre vie. En fin de compte, ce psaume 118 nous invite à vivre pour raconter les merveilles de notre Seigneur. Notre vie doit être un témoignage de la présence de Dieu en nous, témoignage de l'action de Dieu en nous et à travers nous. Alors, pour mieux comprendre ce psaume, il nous faut nous mettre dans la peau du roi David. C'était un temps de crise que le roi David vivait. Il y avait beaucoup de conflits autour de lui. L'ambiance était une ambiance de désespoir. Il y avait cette envie comme si de tout abandonner. Mais l'esprit de Dieu qui l'animait lui pousse à affirmer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alors David a pu maintenir ces deux réalités contradictoires. D'un côté, les difficultés de son existence, et de l'autre côté, la bonté de Dieu. Et alors ce psaume, c'est comme si David a fait un sandwich avec ses défis, avec son existence. Le psaume commence
avec le verset 1, louez le Seigneur, car il est bon, son amour dure à jamais. Et à la fin, au verset 29, nous voyons les mêmes paroles. Louez le Seigneur, car il est bon, son amour dure à jamais. Alors, ce que nous voyons, c'est que entre ces deux versets, ce sont les problèmes, les difficultés que David a rencontrées. Nous voyons l'œuvre comme si de ses ennemis, les païens qui l'avaient encerclé, qui l'assaillaient comme des abeilles. Il était prêt à tomber, mais le Seigneur l'a discipliné, le Seigneur l'a corrigé. Le Seigneur ne l'a pas laissé à la mort. Alors, en face de toutes ces difficultés, le Seigneur a témoigné de sa présence. Au verset 6, David dit, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. » Au verset 27, il dit, « Je ne vais pas mourir, je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. » Et au verset 19, il dit, « Je vais louer le Seigneur. » Et à la fin, verset 28, il dit, « Je vais proclamer la grandeur du Seigneur. » Et voilà, au verset 24, nous avons ce fameux verset, « Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons de la détresse. » This is the day that the Lord has made. Let us be rejoice and be glad in it. Ce psaume 118 nous donne une vraie image, un vrai exemple de comment un peuple de foi peut faire face à la vie chaque jour. Et nous pouvons facilement nous identifier à ces hauts et bas du psalmiste. Nos douleurs, nos souffrances, nos frustrations nous amènent à nous lamenter, alors qu'en même temps, nous voyons, nous connaissons la fidélité de Dieu dans notre vie. Cette fidélité qui nous donne de louer le Seigneur, de lui rendre grâce. Dieu entend nos cris de détresse et il apporte la délivrance. La bonté du Seigneur dure à jamais. Nous voyons également que ce psaume a une dimension d'ensemble, de communion, d'unité. Au verset 24, il dit « Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. » Donne-nous la victoire. Le Seigneur nous éclaire de sa lumière. Alors, nous voyons cette dimension d'ensemble, cette dimension de communion. Et cela, c'est pour dire que nous ne pouvons pas opérer tout seul en tant que chrétien. Jésus a établi l'Église et nous avons besoin les uns des autres. Oui, nous sommes sauvés individuellement et l'Église est composée d'individus. Mais ensemble, nous formons un corps. Par nous-mêmes, nous sommes incomplets. Mais nous sommes réunis en un seul corps. Et alors, je dirais que nous trouvons notre identité dans le corps du Christ. Sans pour autant oublier le contexte mentionné de ce psaume, alors essayons de porter une petite attention à ce verset 24, qui nous dit que c'est le jour qu'a fait le Seigneur, ce jour est bon, crions de joie, soyons dans l'allégresse. D'abord, il faut prendre aujourd'hui comme le jour le plus important de toute votre vie. Sûrement, vous allez me dire, mais non, hier était plus correct. Hier, on a passé des bons moments. C'était vraiment formidable. Oui, c'est vrai
que hier était mieux qu'aujourd'hui. Et il faut rappeler ces moments-là. Ces moments sont favorables, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Si Dieu a une question à nous demander, et lui, il est intéressé avec notre aujourd'hui. Mais certains vont dire, mais le passé c'est du passé, alors et focalisons sur le futur. Cela aussi est bon, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train tout simplement d'oublier aujourd'hui, et ce n'est pas correct. Une personne peut facilement éviter aujourd'hui pour mettre l'emphase soit sur le passé ou le futur. Le jour que le Seigneur a fait, c'est aujourd'hui. Ce jour béni, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ce jour spécial. Si ça a mal commencé, c'est peut-être pour renforcer notre foi, pour renforcer notre Seigneur, notre espérance, excuse-moi, en Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Dieu nous a fait don d'un nouveau jour, un jour spécial, à la question que nous avons à considérer. Qu'est-ce que moi je fais avec ce don? Le don d'aujourd'hui. Ce jour n'est pas un accident. Ce n'est pas comme s'il tombait du ciel comme ça. Dieu nous a créés, il nous a rachetés, il nous a soutenus et il nous aidera à honorer ce jour, à rendre ce jour fructueux. Amen. Love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est pensé sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Collecte du jour. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce seule qui donne à tes fidèles le pouvoir vraiment te servir. Accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous disons le collecte pour la paix, à la page 56. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et dans la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Eh bien, nous faisons monter notre prière pour tout le peuple de ce monde. Et en ce jour, nous prions spécialement pour tous ceux qui sont victimes de cette pandémie. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux ou ceux qui sont en isolation chez eux. Que le Seigneur les protège et qu'eux aussi ils puissent continuer à observer les consignes données par les autorités. Seigneur Dieu, nous te confions notre vie, cette vie que tu nous as donnée. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre cette vie, de pouvoir donner tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons pour t'honorer, pour te glorifier. Nous prions, Père, pour notre paroisse, nos paroisses à Rodrigue, Saint-Luc et Saint-Barnaba, pour le peuple chrétien anglican de Rodrigue. Dans ces conditions, Seigneur, dans lesquelles ils sont prêtes depuis un bon bout de moment. Nous prions pour les responsables qui assure les célébrations. Et nous prions aussi, Seigneur, pour les autorités, afin que des décisions fermes, claires et nettes puissent être communiquées, afin que, Seigneur, nous puissions continuer à servir ton peuple à Rodrigue. Après chaque
intention de prière, nous dirons, nous t'en supplions, Seigneur, à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonté. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la paix, dans la foi et le respect de ton nom. Et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints. Nous confions les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Pour conclure ce temps de prière, nous allons dire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 58, nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, de la justice et de la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci à vous tous pour votre participation à ce temps de prière. Et je vous souhaite tous une nuit paisible. Oh, mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je
tristesse en une joie. Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai. Échec en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force. Tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai. Dieu a tout changé. Alors je dors.